Je m'appelle Laetitia Constant et je travaille au sein du pôle sous-titrage. Je suis responsable process et je m'occupe plus particulièrement du live dans le pôle sous-titrage. Ça sera la mort de Johnny. Voilà, Johnny Hallyday. Donc c'est pas très drôle et en même temps c'était quelque chose. Je suis arrivée à l'entreprise un matin vers 7h30, sachant qu'on commence à 8h en général en semaine. Bon, moi j'arrive toujours à l'avance parce qu'un live on peut pas le louper quoi. Donc la plupart des opérateurs savent ça. Faut être ponctuel dans ce boulot. On ne loupe pas un live. Donc en général, on est tous habitués à arriver un peu en avance. Donc j'arrive à 7h30 et j'entends le téléphone de toutes les salles de live. Ok. Je réponds, c'est la régie, Johnny est mort. Ah, ouais, prise d'antenne, là, maintenant, tout de suite, est-ce que vous prenez la presta? Moi, je voyais bien que j'étais toute seule. Donc, oui, sinon, la concurrence est prête pour la prendre. Ah non, 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 il n'y a pas de souci, là, on va prendre le live direct. Donc, j'allume les ordi, je fais patienter la régie, qui était très impatiente. Et donc, je prie pour que mes collègues arrivent. Je savais qu'ils allaient arriver. Donc, effectivement, la première qui arrive, c'était une toute jeune stagiaire qui venait tout juste de terminer son stage. Elle avait fait quelques petits lives en direct, mais pas encore de grosses choses béton. Donc la pauvre, elle arrive, je dis non, tu poses pas tes affaires là, tu viens, tu choisis, speaker correct, vite, correct, ok, vas-y, c'est bon. La régie, c'est bon, on prend l'antenne, donc c'est parti. Donc j'étais seule en speak, voilà, elle était seule en correct, ça a été du blablabla, en plateau, plein d'invités, enfin c'est Johnny quoi. Des chansons, donc c'est là quand je parle de garder gestion du stress, d'avoir une certaine culture G, puisqu'on met les contextes speaker. Donc bon. Vu mon âge, j'étais capable de reconnaître qui était sur les plateaux, donc j'étais capable de mettre les bons contextes speaker. Les chansons, ça suffit pas de mettre juste « il chante », non, donc les paroles aussi, c'est bon, je les avais. Donc voilà, et au fur et à mesure, les autres collègues ont commencé à arriver tout doucement. Et en fait, le live, c'est de l'imprévu, mais comme derrière, on a des protocoles, des process et une organisation, mais béton quasi militaire, finalement, c'est du stress, mais du stress que j'ai envie de dire fluide. On gère. Donc tout doucement, les collègues arrivent, comprennent ce qui se passe. Et là, en fait, il va falloir organiser la chose, organiser d'avoir un deuxième speaker. Parce que bon, je pouvais pas speaker comme ça pendant 5 heures. Hein. Avoir un deuxième correcteur, tout doucement. Mais aussi, il y a d'autres chaînes. Il y a d'autres lives, j'étais prévue sur d'autres choses, donc être capable quand même de communiquer. Donc je speakais et j'écrivais sur un bout de papier à mon boss, faudra penser à telle chaîne, me remplacer ou trouver. Mais tout s'est fait de manière vraiment très fluide et c'est ça l'esprit d'équipe en fait. On gère super bien. Et c'était quelque chose, ouais. La mort de Johnny, ouais, c'était... Je pense que ça a rassemblé toutes les qualités qu'il faut pour être un bon liveur. Ça a rassemblé tout ce que c'est que le sous-titrage live. On a eu un condensé ce jour-là, vraiment, de tout. Et ça s'est super bien passé. La chaîne a été ravie de ce qu'on avait fait. Et on était très fiers. Puis en plus, moi j'aime bien Johnny. Donc j'étais à la fois triste, mais c'est vrai, il y a eu des moments sur les plateaux où il faut savoir contenir son émotion aussi, hein. Il n'y a pas que sur ce genre de choses, mais voilà, on est humain, donc parfois il faut retenir ses larmes parce que c'est priorité au direct, donc il faut être capable de garder son sang-froid, et puis on y va, on tient le coup, on tient le coup.